Bonjour et bienvenue sur Rascasse TV, émission débrief à vif sur le match de hier soir. L'émission va passer dimanche soir, mais on l'enregistre ce samedi. Après la défaite contre Lyon-Duchère, un invité que j'apprécie tout particulièrement qui nous rejoint aujourd'hui, Roger Martucci. Roger, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde, aux supporters, aux gens qui nous regardent. Eh Voilà. oui. Et bonjour Jay, le facteur, le postier, et qui va un peu nous dire aussi ce qui a passé de ce match. Ben, honneur aux invités, Roger, ce match, dis-nous un peu tout ce que tu ressens, tout ce que tu perçois, tout ce qui t'inspire. Hein. Ouais, bon, mais moi, ce que j'ai vu, bon, ben, y a la différence des équipes, des deux équipes. Bon, ça, c'est certain, quoi. Alors, de suite. Ben, en gros, on aurait dit des moins de 20 qui jouent contre des seniors, quoi. Voilà. Hein? Non. C'est l'image que je donne. Bon, après, les joueurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils se sont battus. Bon, avec les moyens qu'ils ont, quoi. Je veux dire, voilà, face à une équipe comme ça, hein, qui était très bien organisée, avec un bloc. Mais surtout, non seulement ils ont de la qualité et tactiquement ils sont bien en place, mais en plus ils font tous les efforts ensemble. C'est-à-dire, dès la perte de balle, dans la transition défensive, bon, ils surpillent rapidement, et puis dans la transition offensive, de suite ils vont appuyer leurs attaquants, hein, ou leur milieu du terrain. Donc, on voit que c'est une équipe qui a un très bon fond de jeu. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons, pratiquement pas. Malgré que Toulon, le premier quart d'heure, les a gênés quand même. Hein. Ils ont fait un pressing, bon, qui était des fois un petit peu désordonné, mais ils les ont un petit peu gênés. Mais c'est là qu'ils m'ont impressionné, parce que beaucoup de sérénité dans la sortie de balle, les passes courtes. Bon, après, c'est sûr que ça demande de la technicité, hein, tout ça aussi. Mais Moi, sur la hier, technique. hier soir, tu me disais par exemple que tu avais trouvé un maillot qui descendait trop bas et que du coup ça permettait pas Oui, plein de choses. voilà. Bon, en première mi-temps, enfin, surtout en début de match et tout, bon, oui, quand même, le Duchère, il se repliait au niveau de la ligne médiane. Donc, les défenseurs faisaient tourner le ballon de droite à gauche et de gauche à droite. Et Bayo était là, quoi. Était devant les Ouais. deux actions. Hein. On aurait cru qu'on jouait en 3-5-2, quoi, hein, ou en Ouais. 5-3-2, quoi, hein. On aurait dû Ouais. qu'on était 3 derrière. Hein, ouais. Ouais, mais bon, en plus, il n'y avait personne à marquer là. Et je pense que lui, il jouait plus haut. Ça aurait fait monter d'un cran Moulet ou l'autre, je ne me rappelle pas son nom, qui Ouais, restait. Hein. tu fais Voilà, bien. quoi. Donc, peut-être que là, on aurait pu un peu plus les gêner dans leur sortie de balle. Mais bon, du côté de Toulon, tu veux pas trop te mouiller, j'ai l'impression. Alors qu'il y a à dire, hein. Oui, non, mais bon, ben, c'est sûr que ça joue un petit peu en passe courte, en faisant tourner le ballon, mais bon, ça allait pas assez vite pour déséquilibrer déjà un petit peu l'équipe. Et puis après, bon, ben, sur les ballons longs, on a manqué de justesse, quoi, hein. Tous les ballons longs, ils ont été difficiles à négocier. Et après, bon, moi, j'ai trouvé que dans les décalages, tout ça et tout, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est mis entre les deux lignes pour demander le ballon. Moi, à mon avis, c'est ce qui manque, surtout. Hein. Voilà. Je Ton pense qu'il manque patron, beaucoup là, de il choses, le moi. dit. Hein? Je pense qu'il manque beaucoup plus que ça. Hein. Bon, Oui, non, mais déjà, dans le ça c'est premier très temps, bien, mais. voilà, déjà, dans le premier temps, savoir se placer entre les deux lignes pour pouvoir recevoir le ballon. Voilà, là, il y avait tous les espaces qui étaient pris. Bon, après, offensivement, ben, c'est sûr qu'on a pas pesé, quoi. Hein. Je veux dire, bon, c'est bien, hein, sur les côtés. Bon, dans l'axe, c'est compliqué parce que il y avait un axe central, un axe défensif, pardon, impressionnant, notamment le capitaine. Ouais. Voilà, bon. Non, moi, en fait, Après, aussi, ils ont déjà, il faut savoir que Ah, mais bien sûr. Le qui le tire, numéro là, hein, faut 17, qu'on m'en parle. bon, il a 20 Ouais, ans, c'est un phénomène. Alors mais il là, n'y a pas ça, de c'est un vrai suivi. bon joueur. Hein. L'arrière Ouais, 20 droit, ans.
Et l'arrière droit, pareil. C'est un 2002, l'arrière droit. Voilà, il avait et, un monstre, un monstre. Voilà, la comparaison avec nos deux latéraux, elle est impressionnante. Quand tu vois ce minot là, et nous, pardonnez-moi, ce qu'on a, ça fait peur, quoi. Ça fait c'est peur. Vrai que les latéraux, ils ont été en difficulté. Ah beaucoup, ben, ouais, mais c'est beaucoup trop. On l'a déjà dit que ça allait pas être fumant cette année. Bon, on commence à le voir, mais bon, très bien. On va. Bon, je vais passer un peu la parole à Jérôme. On va le temps de l'évoquer d'autres points. Jérôme, ce match alors. Où en est ben, comme on l'a vu lors des matchs précédents, on parle de système de jeu, mais on n'a pas d'équipe. On a 11 mecs sur le terrain, il n'y en a pas un qui joue avec l'autre, il n'y a aucun lien entre les mecs. Tu ne peux pas espérer grand-chose. On a une direction qui a décidé de foutre un gros coup de pied dans le tas et d'en dégager une grande partie, de se passer de leaders qui sont là depuis des années, on avait des certitudes, on les a virés. Je pense à André Agny, je pense à Sanoun, qui n'est pas parti titulaire en début de saison, même s'il a joué de par l'absence de certaines personnes sur blessure. On se prive de piliers qu'on a depuis des années qui sont des certitudes, qui n'ont jamais déçu quasiment. Et on instaure des nouveaux mecs, voilà, pas de surprise. Une équipe qui n'est pas prête, des joueurs, des recrues qui ne sont pas au niveau. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on va leur laisser leur chance parce que 4 matchs, ce n'est pas une saison. Mais, ouais, mais c'est 4 matchs. Hein. Ah non, mais le temps passe. Et les points perdus, on ne pourra pas les rattraper. Donc, si on a l'ambition de monter, ça pourrait coûter très cher à la fin de saison. Ça pourrait même coûter très cher pour le maintien parce que franchement, aujourd'hui, je suis plus qu'inquiet en fait, par rapport au niveau affiché. Et je me pose la question si on ne va pas se tromper de morceaux de tableau. Je suis pas sûr qu'on vise le haut. On va peut-être regarder, comme l'a dit le coach Batelli d'ailleurs, il en a parlé, hein, les matchs après match, parce qu'il se peut qu'on soit pas dans la bonne partie de tableau, enfin celle prévue en tout cas. Mais sur le niveau de jeu affiché, ça a été calamiteux. C'est difficile de savoir si on a eu un adversaire costaud ou si on a été très faible. Franchement, j'ai trouvé Lyon du Cher. Un peu les deux, sûrement. Moi, j'ai trouvé Lyon du Cher correct, mais j'ai pas eu la sensation qu'ils aient eu besoin de beaucoup forcer leur talent, en fait, pour nous mettre à la rue. On a tellement été pas dangereux, tellement été stérile dans le jeu, à tous les niveaux, que. Mais moi, pour moi, la première erreur, elle vient de la direction d'avoir voulu tout détruire, parce que l'année dernière, il y a eu un travail qui a été fait, un travail de reconstruction qui a été entamé. Qu'on ne veuille pas garder le staff, ça, je peux l'entendre. Par contre, avant de venir, quand on arrive dans un club, on prend connaissance de ce qui fonctionne, on s'inspire de ce qui fonctionne, on utilise ce qui, dans un passé récent, a fonctionné, et on s'adapte, on fait en sorte de faire mûrir un projet à partir de là. On n'arrive pas en mettant un coup de pied dans la table et en disant on impose nos méthodes, même si elles sont complètement cons, parce qu'on en est là aujourd'hui. On a tout jeté et on pouvait garder des choses qui fonctionnaient, en tout cas. Et on avait un axe central défensif, Wasvan, Sanoun et un gardien André Agny, ce trio, défensivement, c'est la base. Tu avais quelque chose de serein qui marche depuis 5 ans, et ça, c'était interdit pour moi, c'était interdit de le bouger. Et l'on fait, il ne faut pas s'étonner qu'on prenne 6 buts ou 7 buts en 4 matchs. Il n'y a pas de surprise, il n'y a aucune surprise. D'ailleurs, alors combien ça fait ça? 2, 4, 6 buts, 5 dans le jeu. 5 dans le jeu. Hein. Pas un seul sur coup de pied arrêté. Hein. Ça a son importance. Hein. Ça a son importance. Ouais, bon, moi, je vais prendre un peu la parole, hein, parce que il faut que je me calme. Je ne décolère pas depuis hier. Mais alors déjà, je vais quand même commencer par le meilleur. Hein. C'est le double carton rouge que je vais mettre à Sissane. Alors bon, déjà que ce joueur me laisse une impression plus que mitigée depuis le début, mais ça, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas très grave. Par contre, quand un joueur, Lyon du Cher, sort le ballon par rapport à Le Mari, par rapport même à nous, hein, ils sortent le ballon en touche par rapport à notre joueur qui est blessé, et que Sissane joue le coup pour marquer, mais déjà, t'es pas bon. En plus, tu as une mentalité de merde. Je dis bien une mentalité de merde. Il faut penser si une équipe fait ça contre nous. Il faut penser si une équipe fait ça. Est-ce que les gens auraient apprécié, comment ils l'auraient vécu? J'ai trouvé ça juste scandaleux. Vraiment, je pèse mes mots. Et alors, voilà, je vous dis ce qui me... Mais je pense que c'est révélateur de plein de choses. Alors bon, déjà pour la petite anecdote, je pense qu'il se fait influencer par les ultras derrière qui le force à dire non, bats les couilles, je joue.
Mais il n'aurait pas dû les écouter. C'est là que je me dis que de toute façon, il n'a pas les épaules, parce qu'il n'aurait aurait pas dû écouter des conseils qui n'étaient pas des bons conseils. Non. Lyon Duchère a mis le ballon en touche, il devait rendre le ballon. Et puis là, il le joue, c'est honteux. Mais au-delà de tout, ce que je pointe du doigt, c'est un tout. On a appris cette semaine que Fall et Sanoun, Fall est parti. Sanoun, ce n'est pas encore fait, mais c'est quasiment fait. On a divisé, c'est le terme, on a divisé le groupe en deux. Et donc, quand on divise un groupe, Roger, je parle sous ton expérience d'entraîneur, je pense que le premier travail d'un coach, c'est de créer une équipe avant de parler de système de jeu, parce que là, j'écoute Batelli, il parle de c'est la faute des joueurs. Ben non, mais mon garçon, ta première fonction, c'est de créer une équipe et tu as tout fait pour diviser, tu as écarté Flo, parce que là aussi, il a un sens d'ILO. Mais Andréani nous le faisait, ça. Donc, tu ne vas pas me survendre d'ILO. Andréani nous le faisait très bien, ça. Donc, moi, je n'ai rien encore contre d'ILO. Les gens ne comprennent pas ça. Mais on avait Andréani. Il n'y avait pas besoin de d'ILO. Donc, Andréani, il a perdu sa place du jour au lendemain comme ça, sans raison valable. Fall qui part, Sanoun qui part, le groupe, les rares satisfactions, c'est les anciens. Et c'est eux qui sont le plus pointés du doigt. Et les recrues, il n'y en a pas une. Alors ça, c'est la première fois. C'était un concept que je n'avais jamais vu. C'est la première fois depuis que je supporte le Sporting que je ne vois pas, au bout de 4 matchs, une recrue qui me plaît. Et si on me dit, ah bon, ben ouais, ben dites-moi une recrue qui vous plaise vraiment. Si c'est par défaut, pour dire... Bon, voilà, il est un peu volontaire. Mais tout est faible, que ce soit Sissan, les deux latéraux, Adou, j'en parle même pas. Il est rentré, à part faire la toux sur Sissan, là, et ça a amené ce petit scandale. Voilà, Dilo, bon, pas de plus-value. On avait Andréani, très bien. Qui je loupe, bon, ben Labor, début de saison difficile. Marty, bon, c'est pour les 19. Le recrutement, le dialogue, hein, trop tôt pour juger, mais bon, on verra, je ne vais pas en dire plus. D'ailleurs, une petite parenthèse, ce joueur m'a fait vraiment peine, parce qu'il y a eu quelques joueurs qui sont venus après le match devant les ultras pour s'en prendre plein la gueule, et puis lui, il était là. Lui, il n'avait pas à être là, et j'aurais bien vu d'autres personnes à se prendre un peu quelques colibés, mais voilà, je pense qu'on a tout faux sur toute la ligne. On a des recrues qui ne nous apportent rien. On a clairement, de toute façon, un groupe qui est scindé en deux. Je suis très pessimiste pour la suite. Et puis, moi aussi, j'ai aussi l'interrogation sur la préparation physique. Quand je vois les mobilettes qu'il y avait en face, ben, normalement, tu peux faire autant. Alors, le seul que j'ai vu un peu, et pourtant, il revenait de blessure, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi, Roger. Moi, j'ai bien aimé quand même la rentrée de Moulet. Hein. Après, il a quand même été assez tonique, assez bon pour quelqu'un qui jouait plus depuis quelques mois. C'était même son premier match de reprise. Il a été blessé, il a été embêté dans la prépa et tout. Je trouve qu'il fait quand même une rentrée très honnête. Mais voilà, quand on voit le Kétir, ce numéro 17, fabuleux, 20 ans de l'OM, le 34, le latéral droit, mais c'était monstrueux. Le mec, il avait 10 mètres de retard, il en avait 10 d'avance à l'arrivée là, sur une action, là, c'était phénoménal. Ils avaient des... Et là, j'ai pareil, je suis vraiment. Je m'interroge beaucoup sur la préparation physique, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt. Partout où je regarde du regard, où je tourne mon regard, je vois rien de positif, je ne vois pas de motif d'espoir, et surtout je me dis que ceux qui ont créé cette situation, je ne les vois pas la résoudre, puisque c'est eux qui l'ont créée, donc c'est pour ça que je dis que je suis pessimiste, et je donne la parole à Roger sur ces mots. Oui, ben, bon, moi je suis sur la totalité d'accord avec vous, parce que il est évident que bon, moi qui ai entraîné pendant plus de 40 ans, mais bon, j'ai toujours travaillé avec un groupe, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de former un groupe qui s'entende déjà bien en dehors du terrain. C'est la base.
La base, ça. Il ne peut pas y avoir impossible. Une équipe s'il n'y a pas de groupe. C'est, voilà. C'est la base. C'est ce, ce que j'ai vu hier, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ils font tous les efforts ensemble, bon, en plus de donner la qualité, mais c'est impossible. Quel que soit le niveau, c'est impossible. On ne peut pas avoir une toute bonne équipe si on n'a pas un groupe. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que je rejouais ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient arrivés à faire un groupe solidaire. Hein, déjà, vous voyez, hein, sur le terrain et tout, même, bon, moi, je ne vais pas dans les vestiaires, tout ça, mais vous voyez que c'était un groupe qui vivait bien ensemble. Et bon, et c'est vrai que c'est la première des choses, comme tu as dit tout à l'heure. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué à mettre quelque chose derrière. La tactique, tout ça, c'est derrière. Après, ben, l'entraîneur, c'est pareil. L'entraîneur, sa qualité première à lui, c'est d'être aimé, déjà. Voilà. C'est la première qualité que peut avoir un entraîneur. Après, bien sûr, il faut des compétences derrière. Hein, ben ça, c'est certain. Bon. Et c'est vrai que, bon, moi, qui prends de l'âge maintenant, j'ai connu de tout le monde, j'ai joué, j'ai connu toutes les années. Chaque fois, je prends référence un peu sur des études quand il avait pris le club. Donc, des études quand il a pris le club, bon, c'est vrai que c'était un cran au-dessus, c'était en troisième division. Qu'est-ce qu'il a fait pour monter? Il a pris un joueur, Christian Dalgier. Ils sont montés, tout de suite. Et après, il en a pris encore deux. Je ne me rappelle pas bien si c'est Albert Raymond ou Chaussé en premier avec Rola. Il en prend deux, donc c'était un des deux. Et il monte encore, alors, peut-être pas de suite, je ne me rappelle pas bien. Mais ouais, c'est rapide. Ouais. Il monte à LE1. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe qui avait un troisième division quand il a pris, c'est-à-dire les Alfano, les Berenguer, les Carvalho, les Perlin, les Nkuka, j'en oublie. Hein, bon, pas Carvalho, mais... Oui, non, mais il faisait partie du groupe, je veux dire. Voilà, je parle du groupe. Hein. Donc, ces joueurs-là, ils ont évolué encore en première division. Donc, ils sont partis d'une base en gardant un groupe et en améliorant la qualité technique avec des joueurs qui se fondaient dans ce groupe-là qui était existant. Et c'est vrai que, bon, après, c'est un choix de la direction technique de faire autre chose. Bon, peut-être que en accord avec le président, eh ben, ils ont un projet à court terme ou à long terme, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, ben, nous Toulonnais, on était patients de voir le Toulon au niveau supérieur. Voilà, bon, ben, ça c'est vrai. Après, voilà, après moi, je ne sais pas quel projet ils ont, peut-être qu'il faut... Je ne sais rien. Mais... c'est vrai que là, pour jouer une montée, bon, ben, c'est compliqué parce que il n'y a pas l'effectif pour actuellement. Alors peut-être que cette équipe elle va progresser. Je ne sais pas. Il faut attendre et voir sur les prochains matchs parce que bon, c'est vrai que hier, bon, ben, Toulon, ça a été un peu décevant puis sur le plan résultat, mais. Après, pour moi, depuis le début, c'est décevant. Après, les nuls, ils n'étaient pas, pas révélateurs. Bon, ben, on n'a jamais mené au score, hein, Manu. On n'a jamais mené au score. Ben ouais, et là, d'ailleurs, c'est une réflexion. Hein, je vous redonne la parole que je me disais et que j'ai dit à mon pote Eddy. Il est là, ce coup-là, si jamais on se prend un but, on sera plus proche du 2-0 que du 1-1. Parce que. Oui, avec les mobiles, ça se sentait de suite. Hein. Et quand ils ont marqué. À la mi-temps, on est 0-0. Bon, on est content d'être 0-0. Ça s'en voilà. Non, mais quand tu sais que déjà, que quand tu mènes au score en foot, tu as fait le plus gros du chemin, la plupart du temps, tu l'emportes. Quand tu es mené 4 fois au score, faut pas s'étonner qu'un jour, tu te casses la gueule. Quoi. Ah bah, bien sûr, hein. T'as pas toujours un pénalty qui te sauve. En plus, c'est vrai que cette année, bon, les descentes quand même de Lyon-la-Duchère, de Louan Cuiseau et des équipes qui sont encore là comme Martigues, bon, Fréjus, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe, je vais aller les voir jouer tout à l'heure. Bon, voilà, il y a Grasse, hier, ça démarre à peine. Bon, c'est vrai qu'il y a un championnat qui est élevé, je pense. Donc,
pour se mettre à niveau de ces équipes, on n'y est pas encore, quoi. Voilà, ça, c'est certain. Non, mais c'est quand même dramatique, hein, parce que on nous a vendu voilà, des CV, des je vais redire ce que j'avais dit depuis le début. Je dis que Batelli n'a pas le profil qu'il fallait. On a pris un entraîneur qui, la dernière fois qu'il a entraîné à ce niveau-là, c'était il y a 23 ans. Plus rien à voir au niveau football, 23 ans en National 2. Et ça faisait 8 ans qu'il n'entraîne plus en club. Pareil, je ne dis pas que sélectionneur, c'est mieux, c'est moins bien. C'est un autre job. C'est un autre job. Il y a des points communs, mais c'est un autre job. Dernière expérience, vraiment pas convaincante, c'est moins qu'on puisse le dire, en club. Bon, il y avait beaucoup. Et puis, bon, s'il était si performant que ça, on n'aurait pas pu l'avoir, ce monsieur. Bon, manifestement, ça, c'est pas, on ne s'est pas bousculé au portillon pour l'avoir. Donc, mais j'ai rien contre lui, encore une fois. Mais ce qui m'agace, c'est quand on me parle toujours de CV. Il parle bien, il a un gros CV pour Tigana et tout. Mais c'est du flan. On regarde ce qu'ils font, ces messieurs-là. Bettoni, bon, enfin, Bettoni, pour moi, c'est un excellent joueur de boule et un ancien dirigeant de Pegomas, un club de PHA. Hein, c'est pas autre chose. Hein. Et puis, on voit qu'il a absolument ce niveau. Il va falloir qu'il y retourne parce que moi, pour mon club, j'attends quand même bien mieux. Son recrutement est assez catastrophique. Un recrutement fait avec Bettoni, Batelli. Hein. Batelli se plante pas mal, hein, son recrutement, je trouve. Et Bettoni le complète bien de ce côté-là. Donc non, il va falloir... Je pense qu'il faut de suite s'inquiéter, parce que c'est pas une défaite. Vous savez, il y a des... Voilà, je vais prendre l'exemple de l'année dernière. La défaite à Gaulle était une... sans doute une défaite qui aurait amené des victoires, parce que voilà, les joueurs se sont dit il faut un pénalty volé et un but improbable à la 98e minute pour perdre. Il a fallu ça pour perdre, alors qu'on avait normalement une maîtrise totale du match. Cette année, là, c'est le contraire. Quand on voit la défaite, on voit qu'on part de loin, on voit que les prestations d'avant... Je ne parle même pas des matchs amicaux, parce que je ne vais pas me renier moi-même, je regarde... très peu les matchs amicaux, je trouve que c'est pas très, à part le dernier, je trouve que c'est très peu significatif, mais bon, on a bien vu que, bah, que ça pédale un peu dans la semoule et tout, et puis je pense que la défaite de hier soir, elle est révélatrice de plein de choses, puis donc je rappelle, hein, pour donner l'info, les départs de Fall, les départs probables de Sanoun, des équipes coupées en deux, et je n'en démords pas, c'est pas ce qu'ont créé le problème qui vont être capables de le résoudre, selon moi, et on va voir s'il y a une réaction à Jura Sud, mais il va falloir beaucoup de réactions, et on part de très loin. Ouais, c'est sûr qu'un garçon comme Sanoun, il fait défaut à cette équipe, hein, parce que, bon, il a... C'est un bon défenseur. Il a une énergie. Là, C'est un bon défenseur. Et puis, bon, techniquement, c'est un joueur de football. Quoi, je me dirais. C'est, vrai ouais, que... c'est clairement un leader. C'est clairement c'est un leader. C'est bah, il était capitaine, hein, mais on le met remplaçant. C'est vrai que ça ouais, plaît. Mais... Après, bon, moi, au niveau du staff, bon, ayant été entraîneur pendant des années et des années, c'est pas mon rôle à moi de juger les entraîneurs, tout ça, parce que, bon, je l'ai fait, moi. Batelli, je ne le connais pas. Par contre, Christian Damiano et Richard Bettoni, avec lesquels j'ai joué avec lui, bon, c'est des amis de longue date. Quoi. Donc, mais même si ce n'était pas des amis, bon, c'est toujours compliqué de faire, dans ma position à moi, de faire un jugement sur un staff, parce que je sais ce que c'est. Hein, j'étais entraîneur pendant des années. Eh oui, mais Roger, toi, tu étais un petit entraîneur d'un petit niveau. T'as un petit CV, t'es un petit entraîneur. Nous, on est des petits supporters, on ne comprend rien. Nous, on comprend 10 000 fois moins. On comprend 10 000 fois moins. Ouais. Hein, la preuve, moi, hein, on voit qu'eux, ils comprennent bien. Hein. Ils sont... Moi, j'ai commencé à entraîner. Je suis subjugué, moi, de leur compréhension et de tout. Moi, j'ai commencé à entraîner un CFA en 84, hein, à Saint-Cyr. Hein. C'était la 4e division. Ouais. Voilà, donc, moi aussi, je suis la CFA. Après, c'est sûr que, bon, alors peut-être qu'il va falloir du temps, parce que, mais bon, c'est vrai qu'on est tous un petit peu pressés. Mais
Comme tu as dit tout à l'heure, la CF, moi j'ai dit toujours la CFA, bon, même si on est ouais, moi aussi. C'est vrai que bon, quand tu es entraîneur, il faut connaître ce niveau-là. Ça, c'est la première des choses. Hein. Et en plus, il faut connaître pour le Sud. Parce bien que sûr. C'est la plus dure de toutes les poules. Ils ne la connaissent pas, manifestement. Hein, voilà. Donc, ça, voilà, c'est peut-être là un petit peu la difficulté que peut-être ils peuvent rencontrer. Hein. Lève-le peut-être. Hein, avec Roger. Beaucoup de derby, en plus. Beaucoup de derby. C'est là justement, c'est juste là que justement. Vous le savez mieux que moi, puisque moi j'étais au LAS, on a affronté deux fois Toulon, on les a battus deux fois. Bon. Oh, ça va, hein, c'est bon. Hein. Non, mais je veux dire par là, c'est pour revenir à ce qu'on a dit, que la qualité d'un groupe qui vit bien ensemble, elle se surpasse dans les derbies. Mais évidemment. Elle se surpasse. Hein, bien sûr. Voilà. Après, bon, moi j'ai parlé de ça, mais bon, on a joué hier, on n'a pas gagné. L'année dernière, on a joué au Fréjus, on ne les a pas gagnés. Voilà. Donc, s'il n'y a pas un groupe, c'est pas possible d'affronter ces derbies comme on doit le faire. C'est pas possible. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que, bon, peut-être il va falloir du temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps. On n'en a pas trop, hein, de temps. Voilà. Bon, après moi, d'après ce que j'ai entendu dire ou ce que j'ai lu, même Partigana aussi, que je connais depuis un temps, bon, il a dit que s'ils ne montaient pas cette année, ils monteront l'année prochaine, qui sont en construction. Bon, voilà, donc... construction, le problème, c'est que ce qu'il faut qu'ils percutent un peu, c'est que l'année dernière, ils n'ont pas repris l'équipe quand on sortait de cette saison cataclysmique de National. Ils reprennent une équipe qui est dans une phase positive. Ah oui. Quoi qu'on en dise. Donc, c'est pour ça que déjà... leur pragmatisme à deux balles, là, d'avoir tout voulu niquer, il n'y a pas d'autre terme, hein, je n'ai pas d'autre terme qui me vient, tout voulu détruire, déconstruire, bon, elle est relativement incompréhensible. Quoi. Enfin, quand tu es un peu intelligent hein, et que tu connais un peu le football. Oui, oui. Voilà. Ouais, c'est sûr qu'il reste le plus grand monde du groupe de l'année dernière. Après, s'ils ont dit qu'ils allaient peut-être monter l'année prochaine, à ce rythme-là, on va peut-être marcher sur le National 3, quoi, vu comment on est parti. Hein. Et c'est possible que monte l'année prochaine. Parce que moi, je suis très inquiet. Le maintien, pour moi, il est loin d'être assuré. Hein. Non, mais je ne pense pas qu'on en soit là, quand même, honnêtement. Moi, je ne mettrais pas ma main à couper là-dedans, quoi, franchement. Moi, je ne mettrais pas ma main à couper, parce qu'on a montré quand même des lacunes assez incroyables, moi, je trouve. Puis, on n'a vraiment pas un état d'esprit d'équipe. Quoi. On n'a pas ce groupe. On le sent que l'équipe, elle transmet rien. Elle n'a pas d'énergie. Ça se voit. Ça se voit à 10 km. Il y a des années que je n'avais pas vu des joueurs s'engueuler entre eux aussi. Ça arrive assez souvent. Tous les matchs, on y a droit. On sent même, moi, j'ai même la sensation qu'eux-mêmes se sentent faibles. Quoi. Comme cette sensation que mais ça, c'est ce qui a mis en place autour. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je considère que le coach a une grande, grande, grande responsabilité par rapport à ça. Hein. Il faut pas, on pointe du doigt les joueurs, mais pour moi, pour le moment, les fautifs, c'est cette politique et l'entraîneur hein, qui doit capable justement de fédérer. C'est ça le métier d'entraîneur. Je te rejoins par rapport à Batelli. J'ai vu son interview aussi d'après-match. C'est vrai qu'il pointe une chose du doigt fortement, c'est la réceptivité des joueurs à ces consignes. Et alors, il montre du doigt peut-être leur carence, leur fait qu'ils n'aient pas le niveau, tout simplement. J'espère qu'il ne parle pas de tes recrues, parce que ce sera un peu bizarre. Ouais. Et puis surtout que c'est eux qui sont vraiment en difficulté. Mais il parle de manque de réceptivité, mais ça, c'est le job d'un coach d'être en train Un entraîneur, il ne peut pas dire que ses joueurs n'ont pas le niveau, parce qu'autrement, ils n'auront jamais. C'est comme un éducateur, si un petit, il dit toujours c'est mal, c'est mal. Et ce sera jamais bien. Quoi. Voilà. Il a parlé de carence. Les carences, c'est des. C'est, ouais, je n'ai pas écouté là, cette interview. Bon. Écoutez, il y a des gros soucis à se faire. Quoi. On va voir. Je vais pas trop m'attarder parce que Nico, il a du boulot. Il nous a dit de faire relativement court. Et puis, voilà, je pense qu'on a passé à peu près tous les messages. Je vais vous laisser un dernier mot à tous les deux. Roger, pour terminer, si tu as quelque chose à dire, n'importe quoi, sur le match ou pas forcément. Ouais, non, mais bon, moi, sur le match, je pense que bon, on a tout dit. Bon, il y avait quand même une différence de niveau contre une très belle équipe. Bon, ben, c'est sûr qu'on peut toujours...
Première victoire de Lyon-Duchère. Hein, et ils ont perdu facilement. Enfin, facilement. Oui. Sans qu'on puisse rien dire à Grasse. Voilà. Contre CPS, ils ne gagnent pas, je crois qu'ils perdent. Hein. Bon, hein, le match nul hier, je ne sais pas s'ils sont si forts que ça, hein, pour le coup. C'est ça qui m'inquiète. Ils ont perdu beaucoup de monde. Oui, ben, bien sûr, ils sont en totale reconstruction. Ouais, Par contre, eux, ils ont recruté des joueurs de foot. Ce qui tire, le numéro 17, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un joueur en 8 comme phénoménal. Phénoménal, oui. Je pèse mes mots. Hein. Oh là là, ce joueur, incroyable. Ailleurs, un Marseillais, pas besoin d'aller en Picardie, aux Herbiers, en Bretagne. Un Marseillais. Ailleurs, ils sont bons. Ça a été le meilleur, je crois, aussi, hier. Ouais, et il paraît, j'ai échangé deux mots avec Luigi, il m'a dit, hier, il avait été encore meilleur. Et moi, j'ai parlé avec ce joueur, j'ai demandé comment il s'appelait, tout ça. Et puis, il m'a dit, première mi-temps difficile, alors que déjà, je le trouvais pas mal. Mais j'ai dit, c'est vrai, parce que c'est vraiment ta deuxième mi-temps où tu as été vraiment encore plus extraordinaire. C'est vrai que c'est un très, très bon joueur. Bon, ça a été un peu difficile pour lui, peut-être un peu plus après, parce que c'est un joueur qui veut beaucoup faire. Il n'est pas encore analysé, donc il veut tellement faire. Il est de partout. Mais bon, c'est un joueur qui est là-dessus, il va se canaliser, il va progresser. Bon. Enfin, pour dire que Lyon Duchère, quand même, ils ont gardé, même en descendant, même si on perd des joueurs, ils ont gardé quand même le groupe, quoi, les principaux joueurs, pour jouer à ce niveau-là, ils les ont gardés, et puis après, voilà. Après, il faut espérer que le prochain match, il y a une réaction. On va voir. On va suivre ça de près. On ne peut pas dire que Toulon, ils ne se sont pas battus, non, moi je ne peux pas dire ça. Moi non plus. Moi je dis, ils ont payé ce qu'ils ont pu faire. Voilà, et c'est ça qui est inquiétant d'ailleurs. Jérôme, petit mot. Vite fait, dans le foot, il y a des tendances. On a vu l'année dernière notre équipe monter en puissance. Lyon-Duchère, deux défaites, une victoire, ça monte en défense. En puissance, nous, on voit qu'on est sur la tendance dégringolade, hein, puisque match amicaux moyen, des matchs nuls inquiétants, mais bon, avec de l'espoir. Et aujourd'hui, une défaite radicale, tu ne mérites rien, contrairement à ce qui a été marqué par le club. Soi-disant, on s'est fait trucider par des contres. Hein, été mauvais. On a été très mauvais et puis on méritait la défaite. Donc la semaine prochaine, déplacement, il me semble, à Jura Sud, qui joue aujourd'hui pour la tête du groupe. Parce que s'ils gagnent aujourd'hui, je crois qu'ils ont 4 victoires en 4 matchs. Et autant te dire, Jura Sud, on ne va pas rappeler les antécédents. Voilà. Donc déplacement plus que périlleux. Donc dès l'année prochaine, ça risque d'être le feu du côté de Toulon, je pense, parce qu'une deuxième défaite serait plus que mal perçue. Malgré que ça soit un déplacement pas facile du tout. Et de mon côté, j'y serai. Et à noter, a priori, j'ai entendu parler d'un Brésilien très fort du côté de Jura Sud qui n'est pas étranger. C'est pas Pinheiro. Enfin, voilà, c'était pour la petite anecdote. Merci de nous avoir séduits. Un bon week-end et on se retrouve très très vite pour un prochain débrief à vif. Merci. Merci.